c'est une très grosse revanche à prendre. On leur met une foudre là. C'est quoi ça? Là tu dois nous mettre les 3 points là pour le... Et tu casses un Nawa. Mbappé. Eh, regarde ça. C'est pour mes deux. Hein? On joue sur les mêmes principes qu'on vient de faire. Donc pour avoir ce déséquilibre là, il va falloir être plus là et large. On joue tout terrain. Sans remise en jeu, tout terrain. Non. Pourquoi? Très bien. Plus la balle, il n'y a pas de défense. À qui est la faute? Pourquoi t'es parti là-bas? Et là, t'as trop anticipé. Ouverture d'angle de passe. Lorenzo, il veut venir ici. Lui, il est... Non, oui, il y a ça. Très, très bien. T'as raison. Ou sinon, il y a cette passe-là. T'es obligé. Donc, pour moi, c'est Kenji qui fait l'erreur parce qu'il ne doit pas se mettre derrière toi. C'est trop dur d'attaquer, de regarder derrière et de donner. Il était mignon le layup. Donc avant de démarrer le match, on va faire un petit jeu concours des abonnés. Alors j'ai ramené Lorenzo pour, voilà, pour que tu saches un petit peu. Toi t'as envie de gagner un maillot? Ouais, fort. Très simple. Vous partagez la vidéo sur le réseau que vous voulez. Peut-être TikTok, Insta. Et de deux, vous laissez un commentaire. Donc toi qu'est-ce que tu vas faire? Bah moi je vais tout simplement commenter. Je suis déjà abonné, je vous ai devancé. Je vais partager comme je fais tout le temps parce que je vous ai encore devancé. Et bah je vais gagner mon maillot, c'est tout. On fait un tirage au sort, bien sûr. Peut-être tu vas gagner. Ouais, je vais. Ok, allez, je vous laisse avec le match. Tu vas me faire la trappe là, ça sert à quoi? Bah si tu viens faire la trappe, passe et terminé.
en attaque, vous gagnez tous les duels. Maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé à la dernière action. Combien ils sont venus? Ils sont venus à 4. Ils sont venus à 4. Ce joueur qui n'est pas venu, c'est le joueur d'Irak. Donc ils viennent à 4, mais faites les passes. Donc je veux que tu viennes ouvrir l'angle de passe et que tu ouvres l'angle de passe. Et on les sert. Et il n'y a pas besoin de dribble. Vous n'avez pas besoin d'aller sauter, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup les mains comme hier. Non, mettez juste les mains là. Mettez juste vos mains là. Défendez avec votre torse. Ça va marcher. Aylem! Vous avez tous connu les injustices qu'on a connues. Donc, les matchs à l'extérieur, c'est les plus durs. Vous le ressentez, vous ressentez la dureté? Ben non, il n'y a pas de dureté. Ils resserrent tous. Parce que quoi? À votre avis, pourquoi ils resserrent tous comme ça? Parce qu'on est plus fort que sur les duels. Si vous prenez la balle, vous venez là, vous jouez votre duel, c'est trop facile à défendre. Faites un truc. Mais faites un déséquilibre avant de jouer votre duel. Ce n'est pas grave de rater. Par contre, ce qui est grave, c'est de ne pas essayer. Et je rappelle à tous, la contre-attaque, c'est en sprintant. Si vous ne sprintez pas là, bah vous allez sprinter peut-être après, mais ce sera peut-être trop tard. Donc, il faut le faire maintenant. Les efforts, c'est maintenant. On a 20 minutes, on était à moins 13, voire même plus, je ne sais même pas. On revient à moins 5. Il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder de l'avant. Ça va? Allez, 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 allez! Ni en défense, ni en attaque. Le 14, il le laisse là. Donc, on ne va pas chercher des finitions, lay-up. Ça, je vous l'ai dit, ça fait 4 fois. Je veux qu'on joue vite. Je ne veux pas qu'on aille chercher que des 3 points. Il faut qu'on aille chercher ces paniers plus simples. Je veux que tu ouvres les angles de passe. Parce que c'est toi l'élément clé aujourd'hui parce qu'ils veulent laisser un mec, ton joueur là, au milieu. Donc, je veux que tu ailles chercher. Et il faut le servir. Si vous n'avez pas fait les fois d'avant, il faut le faire maintenant. Allez, les gars. Allez, l'aime. Yeah.
C'est le match que vous attendez le plus par rapport à ce qui s'est passé au match aller, mais moi je trouve pas ça normal. Implication, tout ça, et les résultats ils vont pas tomber du ciel. Les résultats, c'est à l'entraînement. On s'entraîne pour le match. Mais bon, vous savez quoi, c'est une belle transition parce que comme je parle comme ça, les trucs qu'on fait à l'entraînement samedi dernier, zéro. On dirait pour prendre 100 points, j'ai même plus combien. 100 points. Donc c'est parce qu'on ne défendait pas, mais parce que vous ne savez pas non plus défendre tactiquement. Et de deux, c'est pas parce qu'ils mettent leur 14 juste devant la zone de nos charges qu'il faut penser qu'à soi. Les extérieurs, vous n'avez pas été bon. Vous n'avez pas été bon là, vous cinq. Si on ne sait pas jouer contre ça, bah, on va donner pareil la victoire à l'adversaire. Sean, tu vas faire le tour d'un des deux plombs. Normalement, c'est celui-là. Une fois, t'attaques fort. Si Kenji vient pas, tu mets le poignet. Par contre, je viens bien montrer à Nolan où est-ce que tu vas attaquer. Si tu vas tout droit, il ne saura pas. Donc si tu attaques l'extérieur, il ne vient pas, tu mets le poignet. Il vient. Samedi-là, et en plus, vous avez plus qu'une revanche à prendre par rapport à samedi et par rapport au match. Et tout le monde, il va falloir qu'on y aille tous ensemble. Et on n'est pas fâchés les uns contre les autres. Ok ? Allez. Un bon entraînement, mais les entraînements, il faut les remettre en match parce que je m'en fiche de faire les bons entraînements. Hélène ! Vas-y, parle-moi un peu du match de samedi, ce qui s'est passé. En vrai, je sais pas, on stressait pas, mais on dit on avait peur. En fait, on fait des bons entraînements, ouais. Mais on ne fait pas en match ce qu'on fait à l'entraînement. Pourquoi vous le faites pas ? Je sais pas en fait. Mais pourtant, Samir, il vous dit quoi faire ? Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui me tue. Il nous dit quoi faire. On arrive en match, on est comme ça. On regarde le porteur de balle. Il était mauvais ce match, il était mauvais. C'est un match oublié. Ouais. Là, le match de samedi là contre Netreville, il va falloir éteindre. Hein. Non, Netreville, il faut qu'on les batte. On va essayer de faire notre mieux, mais je pense. Si on fait ce qu'on fait à l'entraînement, on gagne l'heure. Moi, j'ai aucune histoire avec le club en vrai. Ouais. C'est plus Nolan et Sean. Eux, ils ont vraiment approuvé parce que c'est leur ancien club. Moi, je vais les accompagner. Ok, merci monsieur. Bon, on va parler du match de samedi qui arrive là. C'est un match assez important pour vous. Hein.
Hein, surtout que vous avez fait un bon match à l'aller. Vous comptez refaire le même match qu'à l'aller, les deux? Ou il faut les éteindre? Non, on va plus se défendre. Ouais, mais en mieux. Tu l'as donné. L'espoir de faire en mieux. Moi, je vais éteindre. On va alimenter un peu le public et tout. On va faire plaisir et tout. Ah ouais. Est-ce que tu vas me remettre un buzzer comme la dernière fois là? Je sais pas. Samedi, le match qui va arriver. Enfin, on a une revanche à prendre par rapport à eux. Donc, faudrait qu'on gagne. Non, si on perd celui-là, là. Je sais pas ce qui va se passer. J'ai pas envie de savoir non plus. Moi, j'ai peur de ça. Non, c'est surtout, vous allez gagner. À samedi, à samedi. C'est une très grosse revanche à prendre. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va nous reconnaître. On est très méchants aujourd'hui. Comme dit là, Lorenzo, c'est une question d'ego. On défend fort, agressivement, tout le temps. On fait des box-out que vous n'avez jamais fait de votre vie. Des gros box-out. Et derrière les attaques, c'est pareil. D'abord, je veux que vous jouiez d'abord collectif. C'est comme ça, quand vous jouez ensemble, vous n'arrivez plus à vous tenir. Il n'y avait rien, rien du tout. Vous êtes les 10 là, 11, 12, 13, on va à la guerre aujourd'hui. Ok les gars, allez, 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 allez. Et je répète aussi, abattre. Le cri de guerre, c'est abattre. ALM, abattre. Abattre. Tout le temps rouge parce qu'ils vont s'y attendre, d'accord? Ils m'ont entendu dire rouge, on le fait pas tout de suite, on le fait pas tout de suite. Faites du jeu sans ballon s'il vous plaît, faites du jeu sans ballon. Le 5 peut être là, lui il doit pas être immobile. Pareil, celui qui est là, là, un petit démarquage, un truc, ou se poster. Qui va vous tenir? Qui va tenir ici? Pareil, qui va tenir là au poste? Personne. Défensivement, vous gardez la même chose, gardez, on vient tous aider, tous aider. Allez, abattre, la même chose. Et abattre. Et en fait, ils vont t'attendre par rapport au match aller. Laisse dans leur tête passer ce message-là par rapport au match aller. Après, ils vont te laisser y aller. Clé, c'est lui. Donc s'il faut chercher une solution en priorité, c'est lui. Et surtout, surtout, très important, le box-out.
Alors vous y êtes sur les attitudes, mais vous n'y êtes pas dans l'envie. Dans l'envie de mettre là, de repousser fort avec votre avant-bras. Faites-le. Sinon, on va se prendre des rebonds sur la figure. Ok, on y va, let's go. C'est pas mal ce qu'on fait. Ah, il y a du monde, là, vous ne m'entendez pas, vous ne vous entendez pas entre vous. Mais on continue à faire nos principes à nous. Ils ne peuvent pas nous suivre. Ils ont fait quoi? Un div, zone, 2-1-2, oh, 3-2. Enfin, ils ont essayé de faire leur zone. Ils ne peuvent pas. Les joueurs ne savent pas quoi faire. Et là, ils se rendent compte. Ah, mais les gars, quand vous allez voir que vous allez rentrer les paniers faciles, c'est pas 25 points d'écart, là. C'est 50. Donc, continuez avec cette attitude-là. C'est exactement cette attitude-là que je veux. Box out, les gars, c'est pas juste je mets mon avant-bras, je me tourne et bonne chance, la chance. Et il y a un duel. C'est un duel physique, on est au basket. Je prends le contact, le repousse, je mets mon pied et je l'enroule. Et là, je vais chercher le rebond après, pas avant. Pensez à lui, on leur met la folie, là. On leur met la foudre, on leur met la tempête là qu'il leur faut. Ok, on y va ? Allez, let's go.
D'accord ? On y va ? On leur met encore une foudre ? On leur met une foudre là ! Allez, l'homme ! Je vous ai dit, à chaque fois que ça va se passer comme ça, j'ai pas grand chose à dire. Combien j'avais annoncé ? 40. C'est, du coup, c'est plus. Ouais, bon, je sais qu'il a perdu le dernier combat, mais souvent il le dit. Je vous avais dit quoi ? Bien.